Bien, donc Hugo Panonacle va nous jouer maintenant une œuvre de Liszt, La Vallée d'Obermann, magnifique pièce, une grande expression tirée donc de la première année de pèlerinage donc consacrée à la Suisse. C'est la pièce centrale, c'est la pièce majeure, c'est une pièce qui dure à peu près 13-14 minutes. On retrouve c'est justement les sensations que Liszt perçoit au contact de la nature. Et il y a une grande spontanéité en même temps. C'est une pièce très, très interrogative aussi, puisqu'elle est inspirée d'un ouvrage d'Étienne Pivert de Sélancourt, Obermann, donc, qui commence par Que veux-je, que suis-je, que demander à la nature? Donc il y a ce questionnement. Et toute cette sensibilité que Liszt a avec la nature, donc il la retranscrit. Et c'est une pièce vraiment tout à fait magnifique. Et je suis ravi de l'entendre sous les doigts d'Hugo Panonacle. Merci. Thank you.
D'abord, ça, s'occuper de ces deux premières parties, hein, puisque bon, et en fait, il y a quatre parties dans cette pièce-là. Hein. Bon, mais écoute, tu ressens vraiment bien cette musique, toutes ces interrogations, tous ces troubles, toute cette douleur aussi. Hein. Bon, ça, c'est fondamental. Dans le fond, il faut évidemment cette sensibilité de perception. Et le problème qui se pose après à nous, c'est d'essayer de le traduire pour pouvoir le, en fond, le transmettre, quoi. Parce que c'est ça qui est difficile dans, c'est de, il suffit pas seulement de, quand on joue, de, d'être ému ou de, il faut arriver à proposer et à ce que ce soit les autres qui soient aussi, qui soient émus, quoi. Et donc, il faut essayer de garder, une lucidité, quoi. C'est-à-dire, tout en se libérant au niveau des sentiments, etc., il faut garder un petit peu parfois la tête froide pour savoir, pour bien conduire, quoi, cette œuvre-là. Alors, c'est vrai que le début, c'est très, très interrogatif. Hein. Dans le fond, c'est, dans ces 8 mesures, on a déjà des tonalités qui sont. Mi mineur, sol mineur, si mineur, le mineur, etc. Bon, ça bouge beaucoup, je veux dire. En même temps, il y a beaucoup d'interrogations. Et en même temps, il y a des, comme souvent chez Liszt, il y a des problèmes aussi, évidemment, d'équilibre sonore, parce que il utilise le piano, il utilise toutes les possibilités du piano. Et donc, parfois, il faut bien arriver à équilibrer tout ça, qu'il n'y ait pas trop de basses, ou que dans les basses, il y ait certaines notes qui puissent être des repères qui nous permettent de conduire la phrase et de ne pas se laisser, dans le fond, un peu ensevelir ou engloutir par une harmonie parfois qui est. Enfin, ce n'est pas le cas de la première page, mais par la suite. Oui. Bon, ces bouillonnements sonores. Hein, alors, donc, ce début, donc, cette phrase très violoncellistique, hein, bon, ça, c'était la tessiture du violoncelle, c'est la couleur, c'est la chaleur, bon, et en même temps, c'est ces battements-là de main droite, là, qui nous donnent quand même un petit repère rythmique, hein, donc ça, c'est important de. D'avoir en même temps la référence de ça, hein, ces côtés rythmiques, même dans une page libre, il y a quand même toujours des références rythmiques qu'il faut avoir en jouant, parce que autrement le danger, c'est que on s'épanche un peu trop, c'est que peut-être un retard, on le fait arrêter nous, tout soit un petit peu trop long, peut-être pas assez, etc. Bon, il faut arriver à une certaine, malgré tout, une certaine logique qui est propre dans le fond à chaque à chacun, hein, l'important c'est qu'il y ait une cohérence, quoi, c'est ça. Il ne s'agit pas de dire un tel fait ça, donc on fait exactement ça, c'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça, et heureusement d'ailleurs, bien parce sûr. Qu'il y a plusieurs manières de très bien jouer cette œuvre-là. Hein. Voilà, donc après, je trouve de temps en temps, tu as des intentions sur une note qui empêche un petit peu, disons, une. De référer un peu plus aux courbes, aux liaisons, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut mettre à valeur une note, bien sûr, mais en même temps, il faut que ça. Il y ait une fluidité, malgré tout. C'est ça qui est. C'est dans ça l'unité. Voilà, qui est quand même. C'est ça qui est un petit peu difficile, et même à travers certaines. Au début, si on regarde les liaisons, là, les courbes, là, d'une mesure, un peu, après, presque 4 mesures, etc. Bon, et en même temps. Il y a ces 8 mesures. Bon, d'une certaine manière, il faut aussi trouver une ligne pour ces 8 mesures et non pas trop morceler. Et en même temps, il y a des subdivisions, bien sûr. Ça, c'est. Alors, après, il y a des changements harmoniques, justement, dans tous ces accords, qui permettent aussi d'attirer un petit peu l'intérêt, d'enrichir, dans le fond, le texte, parce que on peut pas uniquement suivre la beauté de ce chant de violoncelle, et la main droite a son importance, c'est pas la partie principale, mais bon, hein. Donc si tu peux, peut-être on va reprendre un petit peu au début, hein. Avec plaisir.
Alors, juste une chose, puisque là, tu vois que après la première double barre, donc, il y a marqué sotto voce. Hein. Alors, par exemple, tu as fait une attaque du ré bémol à un. Très direct, si tu veux. Bon, le sotto voce, il est marqué quand même déjà dès la levée. Hein. Il n'est pas seulement sur le do dièse. Hein. Alors, évidemment, il y a une différence de couleur entre un ré bémol et un do dièse. Mm-hmm. Pour les musiciens, les instrumentistes à cordes, c'est évident. Pour nous, pianistes, ça l'est moins puisque c'est la même note. Mais justement, il faut faire en sorte que ce ne soit pas la même note. Justement, il y a une question de couleur, de lumière qui n'est pas la même. Hein. Et je trouve que tu as un peu trop percuté, disons, ce ré bémol. Donc après, le do dièse paraissait un peu éteint, quoi, carrément. Et là aussi. Et puis, quand on arrive là... Là, tout d'un coup, il y a une amplitude qui est vraiment... Au début, on est... On est presque dans les mêmes tissus. Tout d'un coup, là, ça s'ouvre un peu, là, qu'on sente cette espèce d'ouverture et qui nous fait du bien aussi. Parce que autrement, on est trop dans la confidence, disons, et tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui s'ouvre un peu plus. Hein. Voilà. Mm-hmm. Autrement, la déclamation, tu as bien compris, parce que c'est cette déclamation typiquement listienne, hein, je veux dire, bon, c'est-à-dire, c'est vraiment la recherche du beau, la recherche de l'absolu, etc. Bon, c'est-à-dire, c'est un langage qu'on a peut-être du mal à notre époque à... qu'on trouve un peu anachronique, mais qui nous fait quand même du bien, parce que on en manque trop, hein. Voilà, je te remercie de reprendre, s'il te plaît. Je dirais, je ne sais pas si je me... Tu vas peut-être avoir l'impression que je me contredis un petit peu, mais là, je trouve du coup que t'es... Ça, c'est un peu rapide, ça. Voilà. Parce que en même temps, il y a ce chant à la main gauche, et puis on a l'impression qu'il y a cette main gauche, la main droite, qui, un tout petit peu, n'est pas sur les mêmes critères de pulsation, je dirais. Alors, au lieu de soutenir la main gauche, elle me distrait un petit peu trop. Elle bouscule un peu. Alors, évidemment, c'est pas toujours confortable parce qu'on répète le même accord. Hein. Il faut pas que tu perdes le contact avec la touche parce que si tu perds une dimension, toi. Et toujours penser que bon, ces groupes ne commencent pas sur un temps. Hein, c'est un pam pam pam. Donc il faut que tu sentes un certain élan. Il ne faut pas que tu poses la première, d'accord, parce que autrement ça va nous gêner pour le discours de la main gauche. Hein. Alors, reprends tout, s'il te plaît. Ne raccourcis pas trop les demi-soupirs. Hein. Oui, tu aurais pu prendre. Voilà, on est à la résolution, sol mineur, là. Repars pas trop tôt avec la main droite. Fais-nous profiter un petit peu, on est là. Bon, et... Et on prend un petit peu l'élan dans, je dirais, dans l'écoute un peu de l'accord, hein, de l'accord sol mineur. Hein. Oui, de la résolution. Alors, tu as toujours un peu de tendance quand tu fais la... Trop tôt.
ces demi-soupirs, c'était un peu le cas tout à l'heure aussi, si tu veux. Toi, là, ici, profites-en pour toi, respirer, pas dans l'abstraction, respirer vraiment. Voilà, tu vois, et ça va t'aider à... parce qu'on est sur nous, on est quand même sur une blanche à la main gauche, hein. Sol, fa, mi, ré, do, si, la, do, si. Donc si on joue ça au violoncelle, évidemment, il faut quand même avoir pas mal d'archer sur le si. Parce que si tu as un petit archer, évidemment, ton si, tu ne vas pas t'en sortir. Hein, bon. Et donc, on n'a pas peur. Très bien, violoncelliste, il n'a pas peur de tirer lentement son archer. Je veux dire, il va se dire, il va y avoir la tremblote. Ou... voilà. Donc, tu donnes un petit peu cette précipitation, un petit peu d'angoisse, ça écoute. Voilà. Et continue après ton discours. Encore une fois. Sur la résolution du sol mineur. Oui.